Bon, on parlait l'autre fois de la taille des composants. Alors j'ai pris quelques exemples là. Et puis on va comparer avec le petit réglé. Alors cette petite crotte là, c'est un... C'est D4051. Bon, je regarderai ce que c'est plus tard. C'est une logique de toute façon. S'il veut bien me faire la mise au point, le camarade téléphone là. Voilà. À peu près 1 cm le truc. Dans leur truc gros comme une miette, ça là. Pastille blanche là. Ça, c'est une LED. Je rapproche le réglet. Ça fait 1 mm de long. Si j'arrive à faire une mise au point, ce serait cool. Non, il n'est pas décidé. Hop, hop, hop. Ne t'enfuis pas, reviens par là. Alors du coup, je suis obligé d'avoir des petites boîtes comme ça pour ranger ce bordel. C'est tellement petit et fragile du coup que c'est un peu casse-pied. Ah, toujours dans les trucs ridiculement petits. Transistor. Qui doit faire à peu près 3 mm de long. Ouais, à peu près. Alors là, j'en ai un gros condensateur. Fait 1,5 mm de large pour 3 de long. Lui, il est vraiment énorme si je dois recomparer avec. Les diodes de tout à l'heure, si je mets à côté, c'est pratiquement le double. Hop, je referme tout ça avant de le faire tomber. Bref, tout ça pour dire que c'est ridiculement petit. Alors j'ai un exemple tout monté là que j'ai soudé hier soir. Décidément, la mise au point, il veut pas. Et le défaut de cette plaquette-là, c'était ici une petite diode qui manquait, que j'ai bien galéré pour souder. Parce qu'évidemment, normalement, on soude toujours les composants les plus plats d'abord et les plus hauts après, pour pas être gêné. Et ben là, malgré l'espace que j'ai vers ici, j'ai quand même galéré pour la souder. Alors ça n'empêche pas le circuit de fonctionner, hein, mais simplement, il était prévu qu'il y ait une diode, je l'ai reçu sans la diode. Truc débile. Mais bon, hein, à 2 € ou 3 € le régulateur de tension, je vais pas me plaindre. À plus.